curiosité sur le mur de Berlin. Ce 9 novembre marque le 25e anniversaire de la chute du mur de Berlin et a définitivement changé l'histoire de l'Allemagne, 12 août 1961 – 9 novembre 1989. Le monde a assisté avec étonnement à la destruction de ce qui était un symbole du communisme pendant 28 ans. L'immense mur séparait Berlin-Ouest de la République démocratique allemande, RDA. Après la disparition de ce bloc de 55 km, la réunification du pays et une nouvelle étape dans les relations internationales ont eu lieu. Ronald Reagan, détruit ce mur. Détruisez ce mur. Les paroles du président américain Ronald Reagan au ministre soviétique Mikhail Gorbatchev ont émerveillé les deux parties qui ont assisté à ce discours prononcé à Berlin en 1987, au début de la fin de la guerre froide. La révolution pacifique. 1989, l'année du syndicat. Pendant environ trois décennies, cette structure a été une représentation physique de la guerre froide et du puissant conflit d'idéologie. Mais 28 ans ont réussi à corroder les bases du mur. Les manifestations ont envahi toute l'Allemagne de l'Est. Nous voulons sortir. C'était sa devise. Cette série d'événements s'appelait la Révolution pacifique, une série de manifestations populaires qui mènerait à la réunification de l'Allemagne et à la chute du régime communiste. Le 9 novembre de la même année, il a été annoncé que les habitants du côté est seraient autorisés à traverser vers le côté ouest. L'histoire avait été faite. Le solde des fuites. 5000 fuites vers Berlin-Ouest ont été inspectées pendant la construction du mur, 200 personnes ont été blessées lors de fuites et 197 personnes ont perdu la vie dans une tentative de libération. Checkpoint Charlie. Checkpoint Charlie était le poste frontière le plus connu et le plus important entre les deux Allemagnes. Ceci étant le point de la plus grande tension de guerre au cours de l'année de construction du mur. La vie des autres. L'opéra Prima de Florian Kell von Donnersmarck a été créé en 2006 et a proposé une histoire à Berlinais. Le travail porte sur un complot où la police contrôlait la Stasi, la police secrète, faisant pression sur les intellectuels de l'endroit. Un officier de cette force reçoit pour mission la vigilance d'un écrivain et d'une actrice, tous deux très célèbres. Cette tâche finit par affecter l'agent de telle manière qu'il en vient à s'interroger sur ses propres idées et sur les règles du socialisme, qui jusqu'alors semblaient indiscutables. Au revoir Lénin. Le cinéma a également fait écho à la chute du mur. Goodbye Lénin est l'une des productions les plus louées à cet égard. Le film de Wolfgang Becker propose l'histoire d'une femme aux convictions socialistes tombée dans le coma en octobre 1989. Pour ne pas décevoir la femme malade, qui se réveille 8 mois plus tard, son fils arme une réalité parallèle, où le système est toujours en vigueur et où la destruction du mur n'existait pas. C'est une comédie dramatique allemande qui a recueilli d'excellentes critiques dans le monde entier. Émiettement de l'Union soviétique. La chute du mur a entraîné des changements et des révolutions bien au-delà de l'Allemagne, mais également dans le monde entier. En 1991, l'Union des républiques socialistes soviétiques, URSS, a été démantelée à la suite de cette vague d'expansion qui a touché plusieurs régions du monde. Dans le même temps, une autre conséquence est apparue, elle a entraîné la fin de la guerre froide et l'émergence de la Russie, qui est devenue plus tard une puissance mondiale. Mais en outre, cette dissolution a contribué à l'escalade du pouvoir des États-Unis et a accru son pouvoir militaire. Le mur comme musée. La culture a également été perturbée par la chute du mur de Berlin. Après sa destruction, de nombreuses personnes se sont déplacées d'un endroit à l'autre et plusieurs maisons étaient vides. Dans ses propriétés et même dans certains sous-sols, des discothèques, des bars et d'autres lieux de divertissement et de musique ont été créés. Mais plus frappant encore est le mouvement créé autour des vestiges du mur. Le graffiti avait son support artistique sur les murs qui pendant des décennies ont été un symbole de la division du pays. Ainsi, en 1990, une partie de celle-ci est devenue la plus grande galerie en plein air au monde, la Est-Side Galerie. Main d'œuvre jeune et qualifiée dans toute l'Allemagne. La situation vécue dans l'Allemagne divisée était si particulière que, pour les citoyens d'autres pays, il est encore difficile d'imaginer cette réalité. À partir de 1989, les changements de main-d'œuvre étaient importants. L'une d'entre elles s'est produite avec l'expansion de la main-d'œuvre jeune et qualifiée sur l'ensemble du territoire, mais surtout par la migration interne vers l'ouest du pays. Cela a généré un ressentiment entre les habitants des deux côtés, qui s'accusaient mutuellement de prendre leur travail. À cette époque, il y avait 2 millions de chômeurs sur place.
Nouvelles relations internationales. En plus de son adhésion à l'OTAN, l'Allemagne a, après la chute du mur, créé d'autres défis dans ses relations et son ouverture à d'autres pays. La mondialisation a fait son travail dans presque tous les coins du monde et l'Allemagne n'a bien sûr pas été épargnée. Le capitalisme a dominé la situation et marché est devenu un mot largement mentionné. Aux États-Unis, par exemple, le président George Bush, père, a annoncé immédiatement après la chute l'arrivée d'un nouvel ordre mondial. Le mur, de Wall, moins film inspiré du célèbre mur. Nul doute que le célèbre mur a influencé la musique, le film et la littérature. La chanson la plus connue de Pink Floyd est un extrait et ce film, une réaffirmation. Augmentation de l'impôt en Allemagne. L'une des conséquences presque immédiates de la chute du mur a été l'augmentation des impôts dans tout le pays. En 1991, le complément solidaire Solidaritätszuschlag, appelé de manière informelle Soli, a été créé. Selon le quotidien économique Wirtschaftswoche, 64% des Allemands de l'Est sont favorables à son maintien, alors que seulement 23% des Allemands de l'Ouest le soutiennent. La taxe controversée sera maintenue au moins jusqu'en 2019. Comme le dit le Pacto Solidario. Cette taxe a été créée pour reconstruire l'ancienne Allemagne de l'Est et, semble-t-il, survivra à l'histoire de l'Allemagne. Konrad Schumann, le garde fugitif. Konrad Schumann est devenu, en août 1961, le premier garde d'Allemagne de l'Est à faire défection et à s'échapper à l'Ouest en franchissant la barrière de sécurité. La Grande Évasion. L'une des évasions les plus extraordinaires s'est produite en 1964, alors que 57 personnes avaient réussi à traverser un tunnel creusé par des habitants de Berlin-Ouest. La réunification du pays. La conséquence vitale de la chute du mur de Berlin, bien que cela semble évident, a été la réunification du pays. Cette grande muraille a divisé une ville, une nation et aussi le monde. Sa destruction signifiait également la conversion de l'Allemagne en l'une des plus grandes puissances mondiales. Les historiens soulignent ce processus pacifique où la réunification englobait les sphères politiques, économiques et monétaires. Ainsi, en 1990, le pays a adhéré à l'OTAN et signé des accords de non-prolifération nucléaire. De plus, les habitants de l'endroit ont entamé une phase de nouvelle liberté et de libre circulation. Ce que le mur représentait pour John F. Kennedy. John F. Kennedy l'appelait « une solution peu élégante », bien que mille fois préférable à la guerre. Petit Fechte a été la première victime à tomber à la suite du mur. À 18 ans, cet ouvrier allemand tenta vainement de franchir la frontière entre les deux camps. Après avoir été blessé dans le bassin par le tir d'un garde, il est resté dans l'agonie pendant plus de 50 minutes dans ce qu'on appelle le « no man's land » entre les murs. Le jeune homme est mort sous le regard impuissant de centaines de Berlinois empêchés par les forces militaires. Fin d'une ère pour le communisme. La chute du mur de Berlin a marqué ce que serait le début de la fin du communisme dans les pays d'Europe de l'Est. Certains ont appelé cela la fin du socialisme réel et ont affirmé que la principale caractéristique de ce changement était la disparition de l'oppression. L'ouverture démocratique et la fin de la guerre froide faisaient partie de ce processus. Avec la disparition du mur, de nombreux pays ont rejoint cette nouvelle étape. La Pologne a été la première nation à quitter le communisme, suivie de la Hongrie, de la Bulgarie et, plus tard, de la Tchécoslovaquie.